casa y vivimos allí. ¿Pertenecías tú a algún partido político? Sí, a Falange Española, la sección femenina. ¿Y cómo fue el marchar a Brunete? Pues me destinaron a esta enfermería. Porque hiciste un curso de enfermeras, ¿no? Sí, hicimos un curso para el tiempo que durase la guerra, ¿verdad? Un curso de 3 meses y nos destinaron aquí, a mí y a mi hermana. Cuando nuestras fuerzas entraron en el pueblo, ¿tú qué impresión recibiste? Pues fue una gran sorpresa, porque no nos esperábamos el ataque y además que fue muy rápido. ¿Y nuestro ejército qué impresión te ha producido? Pues de mucho más potencia de lo que yo creía, más organización y muy buen armamento. ¿Y los hombres? ¿El estado de moral de los hombres qué ha parecido? Pues que tienen un gran espíritu. ¿Y el trato que habéis recibido tú y tu hermana por parte de nuestras fuerzas? Nos han tratado muy bien en todas partes donde hemos ido. Estamos muy contentos. Le subcommissaire d'agitation, presse et propagande visite les officiers et soldats italiens faits prisonniers par nos soldats. Dans nos conversations tenues avec eux, l'on perçoit clairement qu'ils sont très satisfaits du traitement qui leur est donné, ce que personnellement fut exposé au subcommissaire de propagande par le commandant Antonio Lucio, que nous pouvons voir dans ce groupe en union d'autres officiers italiens et de 2 aviateurs allemands. Pendant la visite, et après quelques mots du subcommissaire, on fit la lecture d'une lettre dirigée par une personne de sa famille à un prisonnier. Cette lettre dont nous devons nous mettre l'adresse et la signature dit comme suit. J'ai reçu ta lettre de Firenze, et si tu ne m'avais pas donné le nom de LV, je ne l'aurais pas donné. À présent, ils ont ta lettre à l'enveloppe. Pense un peu à ma situation. Je suis surveillée et tu ne peux plus m'envoyer tes nouvelles au moyen de cette personne. Tu es considéré comme un déserteur et comme tel, exposé à toutes les conséquences. Je porte ton deuil depuis le 22 avril et pour moi, tu es mort le 13 mars. Malgré avoir reconnu ton écriture, je ne peux dire que tu sois vivant. Tu as été fait prisonnier le 7 mars. Le journal français donnait ton nom et aussi des nouvelles que tu as sans doute divulguées. Et à cause de tout cela, te voilà perdu. Le 22 avril, je fus informé de ta mort en date du 13 mars. Un homme mort. Pour la patrie, tu es mort. Je porte ton deuil. Intelligent comme tu l'es, pense à la situation dans laquelle tu te trouves. Mon conseil est simple et clair. Considère attentivement ta situation et sauve ta vie. Qu'arrivera-t-il si la paix se signe demain? Pourrais-tu retourner en Italie? Pense-y bien. Réfléchis sérieusement. Salutations. Si tu réponds à ma lettre, écris à cette adresse. Un des prisonniers, âgé de 18 ans, ingénument nous raconta la façon dont il fut prisonnier. Récit que nous le laissons faire à lui-même, afin que l'on ne puisse pas douter de son authenticité. Le 12 mars de 1937, je me trouvais à Briguega. Et la sera, tornando tardi, andando a trovare il colonnello, lui mi vide tutto bagnato. Et allora mi disse che andassi a letto e che mi levassi la mattina tardi. Che non andassi insieme con lui in linea. Allora io andai così come aveva detto lui a letto e la mattina verso il tocco un soldato venne a chiamarmi per insegnarmi la strada ad andare al castello di Barra. Ma arrivata a un bivio lui non seppe più sapere e non seppe più la strada e mi portò dalla parte dei russi. Sono arrivato lì in piena velocità, mi hanno fermato, mi hanno chiesto il papè, la carta, lascia passare. Allora io ho detto, credendo di essere sempre nelle linee nostre, Dio, ma non importa mia, Dio, lascia passare, sulla notizia del colonnello. Allora mi hanno detto, no, dicevi tu sei, insomma, con Rossi, vero, qui c'è più colonnelli e tecchi. E mi hanno detto, dice, dove vai, diciamo, con questa velocità, dice... C'è parlo un diavolo. E io dicevo andare a Madrid, dicevo, già, voglio andare a Madrid. Mi hanno preso e mi hanno portato al comando generale.
che mi hanno offerto una tazza di caffè, latte e un ponche. Dopo mi hanno formaggio, pane, e, insomma, roba da mangiare. Dopo ci hanno portato a Valencia e lì, insomma, e da 4 mesi ci siamo. Tutti i prigionieri che siamo a Valencia, che siamo in qualche centinaio, si sta perfettamente bene e non ci manca né da mangiare né da bere. Pendant cette même visite, nous avons fait une distribution de presse parmi les prisonniers qui la lurent avec avidité, particulièrement en ce qui concerne les dernières opérations dans le secteur du centre. Au moment de nous séparer de ces prisonniers, pendant qu'ils se dirigent déjeuner, nous restons profondément impressionnés devant ces hommes ouvriers comme nous, la plupart devenus en Espagne obligés par Mussolini, qui afin de satisfaire ses appétits impérialistes, ne doute point à sacrifier le peuple italien.